Comment s'entraîner individuellement au football? Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. L'URES, on m'appelle, bienvenue sur l'une de mes chaînes, l'URES Manager Foot. Ici, je prodigue des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Vous partagez cette thématique. La première des choses à faire, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Beaucoup de footballeurs s'entraînent en groupe, mais à des moments donnés, il faut s'entraîner individuellement pour pouvoir dépasser le groupe parce que rien ne remplace le travail individuel, rien ne remplace aussi le travail en groupe. Et si tu es un footballeur, tu t'entraînes uniquement en groupe et pas de travail individuel. Ça veut dire que tu n'as pas d'objectif, tu es comme un bateau sans gouvernail. Ou bien tu es un footballeur, tu t'entraînes uniquement individuellement et tu ne t'entraînes pas en groupe. À une certaine période, tu auras des limites. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au travail individuel parce que ce travail est tellement primordial que vraiment, c'est important. Il faut suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Une vidéo qui est sponsorisée par OneIsBet, l'application de paris en ligne. Si vous voulez vous inscrire sur OneIsBet, utilisez mon code promo LURES35 qui vous offre 200% de bonus au premier dépôt et beaucoup d'autres avantages. A contrario de l'inscription usuelle, les liens d'inscription sont en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. La première des choses à faire, si vous voulez travailler individuellement pour le travail individuel, la première des choses à faire, c'est planifier sa séance depuis la veille. Vous voyez, vous savez déjà que vous devez travailler demain matin ou bien demain soir. Individuellement, vous planifiez votre séance, sinon vous aurez la flemme. C'est pas une fois venu sur les lieux de travail que vous allez commencer par dire bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant, et si je mets les plots là, et bon, qu'est-ce que... Non, tu sais déjà ce qui te manque dans ton football, tu sais ce que tu dois travailler. Donc la veille, tu planifies ta séance. Là, quand tu viens, boum, tu montes bien sûr sur le travail à faire et tu commences par boxer. Le travail individuel, faut pas le faire pour le beau jeu des gens, vous voyez. Ne faites pas le travail individuel à une heure où bon, tout le monde va me regarder, ou bien je fais le travail individuel pour filmer et mettre sur les réseaux sociaux. Vous faites le travail individuel à une heure où beaucoup de personnes ne sont pas là. Bon, le matin, l'heure préconisée, c'est vers 6h, 5h du matin. Vous faites le travail individuel et là, vous ne le faites pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Maintenant, si vous mettez dans votre tête que vous faites ce travail pour pouvoir plaire aux gens, vous n'allez jamais réussir votre travail. Donc, ça devient un travail en groupe parce que les gens vont vous suivre, les gens seront en train de vous regarder. Le travail individuel, c'est pour vous-même et ça va vous faire progresser individuellement. Pour être motivé par rapport à ce travail, vous pouvez mettre de la musique. Vous voyez, vous pouvez mettre de la musique. Là, la musique va vous aider, vous allez vous motiver et ça va faire évoluer le travail. L'autre chose, chaque fois que vous serez démotivé aussi, parce qu'en faisant le travail individuel, des fois, on est démotivé, il faut vous souvenir du pourquoi. Peut-être que tu n'es pas titulaire dans ton club, tu es remplaçant et tu es en train de faire ce travail individuel pour briguer une fois, un jour, cette place de titulaire. Donc, tu te souviens de ça, ça va te booster, te motiver. Et aussi, en faisant le travail individuel, prends tes performances. Il faut noter ça sur une feuille. Bon, aujourd'hui, j'ai réussi à faire 15 tours de terrain avec le ballon. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire 10 tours. Aujourd'hui, et tu vérifies tes performances ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire 1000 jonglages. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire 200. J'ai réussi à faire 500. Demain, je vais essayer de faire plus que la veille, de faire plus que la fois passée. C'est comme ça, on travaille individuellement et on progresse. Le travail individuel vous fait progresser à coup sûr parce que c'est vous et c'est vous et c'est vous. Maintenant, si tu fais un travail individuel pour plaire aux autres, tant pis pour toi. Hein. Je t'ai déjà dit, le travail individuel, c'est toi et toi. Vous voyez? Parce que ta réussite, elle est individuelle. Ta réussite, elle est personnelle. Donc, tu prends le travail individuel sous cet angle-là. J'espère que vous avez apporté quelque chose de nouveau. Si vous avez apporté quelque chose de nouveau, likez, partagez cette vidéo. Un seul contact si vous voulez aller plus loin, le plus de 229 53 63 87 30. C'était moi, l'URES. Ciao!